Alors on me double. Pour les radars. Il faut que je reprenne l'abonnement, il n'y en avait pas. J'ai mis l'abonnement. Ouais, ben il faut que je le reprenne. Mais là il n'y en avait pas. Moi j'ai pas vu de radar. T'avais dit qu'il y avait les radars. Mais là tu l'as vu toi le radar là? Oui, à gauche. Oh putain merde. Non mais on était à 80. Ah. Faut que je reprenne l'abonnement. Ouais, parce que si je l'ai arrêté, je vais le reprendre. Bon alors je me fie sur toi. Je reste derrière toi. Je reste derrière toi alors pour le coup. Ouais, il faut que je le reprenne. Je l'avais arrêté. Ouais. Parce que tu peux le prendre par moi. Il s'en bat les couilles. Ah lui il va le frapper. Ah, le gars il a laissé sa voiture sur le rond-point, il va pisser, voilà, il n'y a que moi sur terre. La voiture laisse en plein rond-point, n'importe quoi. Donc en effet on n'est pas passé par la route directe pour aller à la Ciota parce qu'on a un peu d'avance. Et donc Pascal nous a prévu un itinéraire un peu plus long pour arriver justement au resto à l'heure.
Bon, il doit avoir un radar pas loin apparemment. Je crois qu'on arrive à Mazog, il me semble, enfin en tout cas c'est par là. Elle était bien cachée le radar. Voilà, donc Tourve, si on n'est pas très loin de chez Jean-Marc, alors il me semble que je devrais reconnaître, ça m'en sous peu l'endroit, donc c'est Mazog je crois où il habite, c'est pas Tourve. Eh ben voilà Mazog. Eh ben on va passer devant chez Jean-Marc. Eh ben oui.
Voilà, donc normalement je devais arriver par là quand je vais chez Jean-Marc et Véro, parce que du coup il n'y a pas que Jean-Marc, il y a Véro aussi. Et on va passer devant le camping aussi de... Ah non, on l'a passé, le camping de Salvatore. Il était en amont. Alors on va regarder si Jean-Marc il est... Il est dans son jardin. Donc voilà l'entrée de la maison Jean-Marc, le cabanon comme il dit. Mais il n'était pas chez lui en fait, en tout cas il y avait la voiture mais il n'était pas dans le jardin. Alors ici il y a beaucoup de sangliers. Hein. En tout cas il s'invite... C'est Jean-Marc et Véro, les Angliers. Petit cyclo, je sais pas ce que c'est. Elle est belle courbe là.
En fait, Mazog, c'est là. Donc... Jean-Marc et Véro dépendent de Mazog. Et en fait, Mazog, c'est ce petit bourg. Alors peut-être que Pascal va s'arrêter ici pour aller boire un coup. Parce qu'on est censé s'arrêter boire un café, normalement. Ah oui, donc le petit bourg, il est pas si petit bourg que ça. Bon, le café, ça sera pas ici. Ah, là, j'ai senti l'ABS. Parce que sur la F900, la BS se déclenchait un peu trop rapidement, et là ça va. C'est la première fois que je le. Que je l'aperçois là.
Bon, du coup, là, aujourd'hui, j'ai filmé avec la bulle baissée. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le film, parce qu'hier, c'était la bulle haute. C'est vrai que c'était un peu gênant quand on regarde le film. Mais bon, après, pas plus que ça, mais bon, on verra ça ce soir au montage. Alors peut-être c'est ici qu'on va boire un coup. Parce que là, il a l'air de connaître. Parce que... ouais, parce que là, je sais pas où il nous mène. On va se mettre en écho parce que on est dans la petite ville. Alors je sais pas si, je sais pas, regardez c'était quoi ici, je me souviens pas du panneau d'entrée de la ville. Alors, est-ce que Pascal recherche un bar pour aller boire le café ou le cappuccino? En tout cas, on se dirige vers un parking. Ouais. Bof, je sais pas ce que... Ouais, il a dû chercher peut-être un bar, mais c'est vrai que tout était fermé dans le village. Alors il y a des petits retours au niveau du pot d'échappement, mais c'est vrai que c'est pas comme le... la craque que j'avais pas la chicane. Ça pète moins, mais bon, c'est agréable. Hein. Voilà, il faut que je remette en dynamique.